Suivez-moi. Bonjour à tous, ici Alex et moi, voilà. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur Far Cry 5. Qu'est-ce qu'ils font là? Le tout nouveau Far Cry. Tout le monde reste calme. Le 27 mars. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Ça fait quand même presque un mois. Tout ira bien, Hudson. Mais pour moi, le jeu vient toujours comme un. Tout juste de commencer. Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Donc, ce jeu, c'est un jeu que j'attends pendant un long moment, que j'ai vraiment eu envie de le prendre direct à sa sortie. Mais j'ai dû attendre un tout petit peu pour maintenant achever. Je vais avoir un petit plaisir dessus. Hey Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall? Oui, monsieur. Essayez. Essayez simplement de ne pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Oh. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. Ah. C'est pour ça que nous avons ce projet. Bonjour. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça calme. Suffit. Joseph Seed. Joseph. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. On t'emmène. Alors je vous ordonne de vous avancer, les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Oui. Allez. Préparez comme un, mon vieux. Dieu ne les laissera pas m'emmener. On va se dégager. Bye bye. En cercle. Au revoir. Je vis l'agneau ouvrir le premier seau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Non! Non, non, non! Parfois, ouais. La meilleure des options. C'est de faire demi-tour. Oh, chier. Allons-y. J'ai du marquage dans le dos, mon pote. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant, on va à droite. Je suis dessus. On vous laissera pas. Non, vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Il vient de son plein lieu. Pas mon problème. Reculez. 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 Tout le monde recule. Reculez.
Laissez-le! Bouge-toi, allez! Je suis un marshal fédéral! Reculez! Je vous ordonne de reculer! Rangez ça! Mais bouge ton cul! Allez, 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 allez! On va t'attendre! Chercher. Mon travail, donc. Savoir ce qui se passe. Donne-moi le casque. Non, ça va. Oui, centrale. Oh mon Dieu. Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Non. Je vais te botter le dernier. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Que la récolte commence! Faut en sortir d'ici! Laissez-la! On arrive à se tirer d'ici. Ils brûlent. C'est l'ordre divin. C'est leur punition. Mais tu me dis, tu me sens. Tu me comptes. C'est fait, je sais pas, mais il faut jouer ce que j'en ai. Go. Discrétion. Ah, c'est ça.
je peux me défendre. C'est quand même pas cool. Ah bah c'est bon. Déjà plein. Faut que je me dégage. C'est sûr que c'est ce qui est arrivé. J'ai cru qu'il... qu'il avait... Allez! Oui, je suis un survivant, moi. Allez! Fouille la pièce vite! Petit nouveau, oui. Mais rien. Oh Seigneur! J'aurais jamais cru. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, okay. Petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite... faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste... Ok. Chut. Oh oh. Faut qu'on s'inquiète maintenant. Ils sont là-dedans ! Putain de bordel de merde. Go. Derrière nous! Merde! Repousse-les!
peur, putain. Probablement à moi, même. Puisque le jeu. C'est le jeu pareil. Vous êtes mes enfants. Peux-tu récupérer ça, s'il te plaît? Nous marcherons vers. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Non. Je te crois pas. Peux-tu me leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant, c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie. Et viendraient lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Hein? Ah, il est pas moi. Oh, ouais. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer.
Mais je suis pas malin. Merde. Allez, lui voir, s'il te plaît. Merci. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. C'est mon devoir. Allez, je vais me changer. Bonne journée. Cool. À peu près quand même. Bah, je ressemble pas vraiment à ce, mais le plus possible. Une chemise bleue. Une casquette bleue. Bon, déjà mieux. Ok, déjà ça va pas bien. Parti. Allez, approche. Il faut qu'on parle. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. Non. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Ok. Carte. Juste lié à ce genre de gag, hein. Ok.
me tuer aussi. Je sors. Bon, écoute, si tu veux organiser la résistance, il y a deux, trois trucs que tu dois savoir. T'as quatre façons de procéder. D'abord, tu peux libérer des otages de la secte. C'est des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont construit deux saloperies d'hôtels. Troisièmement, tu peux rendre service à la résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Et pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installés dans la région. Si tu les libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. Parfait. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord? Terminé. Où se cache l'officier? Je demande pas d'être héros, mais merde quoi! Merci de m'avoir sauvé la vie. De rien. Allez, fais pas n'importe quoi! Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Merci. Putain, c'était chaud. Merci. Bah ouais. Je vous remercierai jamais assez. Bah ben voilà. C'est quoi ça? Salut Henri. Je suis à la lisière de la forêt, près de là où t'as vu un signe d'incendie. Je sais pas ce que voulaient ce frimeur en regardant la cime des arbres, mais y a plus rien dans le ciel. La fumée est assez épaisse, mais je vais devoir m'approcher. Ah, ce que je comprends pas, c'est ce que tous ces tarés font là. Y en a une tripotée dans le bois, je les entends crier comme s'ils cherchaient quelqu'un. Je sais pas s'il y a un rapport, mais ils ont l'air en rogne. Putain de merde! Un pick-up vient de me passer devant, à fond la caisse. Il était plein de cinglés armés jusqu'au nord avec des fusils. Je vais aller. Oh putain! T'arrêtes, t'entends? J'ai pas de signe de cette. Salut Henri. Je suis à la lisière de la forêt, près de là où t'as vu un signe d'incendie. Bah, je ne trouve pas ça deux fois. Pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil.